demandons la libération de nos enfants. Nous savons que le président Alassane Ouattara, avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, sont en train de tout mettre en œuvre. Donc nous leur disons merci et on leur demande de ne pas baisser le bras, de continuer toujours la négociation pour que nos enfants soient libérés et qu'ils nous reviennent vraiment en très grande forme. Jeunes, Ivoiriens, Ivoiriennes, pas la peine de dire c'est un palabre entre Ivoiriens et Maliens. Non! Notre palabre, on veut que la junte militaire libère nos soldats. S'ils ne veulent pas qu'on les aide à combattre le terrorisme, ils n'ont qu'à nous les emmener. Nous, on a besoin d'eux ici. On va libérer nos soldats. Et donc, nous sommes prêts, nous sommes disposés même à effectuer le déplacement si les autorités maliennes veulent bien nous recevoir pour aller leur demander de libérer nos soldats. Poliment et gentiment.